Shalom Aleichem, nous sommes dans Kiddushin Daf Ein Zayin et nous commençons juste à la Mishnah. On a appris dans la Torah du fait qu'il y a marqué Loi Chalel Zaro Be'amav, qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec Zonar Gerusha Bechalala, et un Kohen Gadol n'a pas le droit avec une Almana, que lorsqu'il se marie, il est Mechalel son Zera. Mechalel son Zera, ça veut dire qu'il lui donne un nouveau statut, qui lui, si c'est un garçon, il perd le statut de Kohen, et si c'est une fille, elle est indigne de Chalala. Donc c'est un nouvel interdit qu'il y a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne a un rapport avec une groucha, un Kohen qui a un rapport avec une groucha? C'est lui interdit de toute manière. Mais est-ce qu'il la transforme aussi en halala? Ça veut dire que la femme avec qui elle a été, elle a un nouveau statut qui s'appelle aussi halala. Et donc, ça fait un interdit en plus. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce que nous dit ici la Mishnah. Quand est-ce les enfants sont kshérim d'une relation d'un Kohen? Quand est-ce les enfants sont psoulim? La Mishnah dit comme ça, Bat Halal Zahar. Si maintenant l'enfant il est halal, ça veut dire que son père est parti avec une groucha. Cet enfant-là, il a une fille. Cette fille-là, elle est aussi psoula. Parce que comme le père, retenez bien la règle, comme le père, il est psoul, il est halal, alors la fille, elle est aussi halala. Et par conséquent, psoula mina keuna le olam. Qui veut dire que ça peut être le fils du petit-fils, du petit-fils, du petit-fils, du halal. Donc ils sont tous halalim. Il y a une fille qui naît après, cette fille elle est aussi halala. Israël chez Nassa halala. Maintenant Israël qui s'est marié avec une halala. Maintenant, c'est pas le Kohen, mais c'est un Israël. Bito keshera la keuna. La relation a devenu kasher. Pourquoi? Parce qu'après on va d'après le père. Comme le père c'est un Israël kasher, alors à ce moment-là la fille qui va naître de là-bas elle est keshera. Le garçon, ça ne nous intéresse pas, c'est un Israël et Koldavar. Mais là, on veut savoir pour le Keuna, est-ce que la Kohen peut se marier avec elle ou pas. Halal Shenasa Bat Israël, un halal qui se marie avec une Bat Israël Kshera, d'accord? Bito Psula la Keuna. Sa fille, elle est Psula pour être un Kohen parce qu'on va d'après le Père. En vérité, on l'a déjà appris de la Recha de la Mishnah. Bon, la Gemara va dire, effectivement, on l'a déjà appris, mais la Gemara préfère, le Mishnah préférait aussi enseigner ce cas-là, bien qu'il découle directement du cas premier, parce qu'on a dit que Bito Asura Leola. Rabbi Daomer, par contre, Rabbi l'a dit, Bat Ger Zaha, la fille d'un Ger Zaha, Kebat Halal Zaha. Elle est là, le même statut que la fille d'un Halal Zaha. Maintenant, Halal, la fille, on dit que la fille d'un Halal Zaha, elle est Asura au Kohen. De la même façon, la fille d'un guer, elle est à soi au Kohen. Rabbi Elazar Omer, d'accord, Omer, Israël s'est nassa Gioret. Un Israël s'est marié avec une Gioret. Bito Kshara la Keuna. Sa fille, elle est Kshara la Keuna. Pourquoi? On va d'après le père. Maintenant, par contre, si on va d'après le père, là, c'est le chidouche de Rabbi Elazar. Le guer s'est nassa Bat Israël. Il y a un guer qui s'est marié avec une Bat Israël. Bito Kshara la Keuna. Là aussi, elle est Kshara la Keuna. Donc là, maintenant, on va d'après la mère. Et où la mère? Ou le père. Après Rabbi Eliezer ben Yaakov. Aval, mais, Gershon Asa Gioret, si les deux sont Gioret, Bito, Pesula, la Keuna. La fille ne peut pas se marier avec un Kohen parce que les deux sont Gioret. Donc l'enfant est en tant considéré comme Gioret et un Gioret et un Pesula au Kohen. Ou Gera, Gioret, Pesula au Kohen. Bien que n'oublions pas, elle est née après la conversion. Hein. Ça soit bien clair, même si elle est née après la conversion. Agmal, le Mishnah continue. Echad Ger. V'echad avadim, amishoucharim, un guerre ou un éved libéré, afilu ad eser dorot, même jusqu'à 10 générations, ils sont encore considérés, ils ont le shem, ils ont le nom de kayachol guerre ou le nom de éved nafkamina pour se marier avec des kohanim. Achete imom Israël, qu'il faut, à un moment donné, hein, qu'il faut qu'il ait une mère d'Israël. S'il a une mère qui vient d'Israël, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une bat Israël qui vient dans la Tuna. Alors là, dans un cas pareil, inachenami, là il sera kasher. Rabbi aussi Omer, avger shenasa gioret. Même un guerre qui s'est marié avec une gioret, bito keshera la keuna. Pour lui, Rabbi aussi, le guerre et la gioret, à partir du moment où ils ont été convertis, comme ils font bonne et bonne forme, mais l'enfant est né par la suite, l'enfant est kasher, l'école d'Ava, d'après Rabbi aussi. Et ce cas-là, c'est le début de la Mishnah. La Gemara demande, Maïle Olam, qu'est-ce que ça veut dire Avi? Que la fille d'un halal, Zaha, elle est interdite Avi au Kohen. Maïle Olam. Maoudete, malgré ce que tu dis,
Peut-être que tu vas lui donner un statut comme un domi à Mitzri. Qu'est-ce qu'on dit dans domi Mitzri? Mal à l'un shalosh dorot, comme un domi Mitzri, il faut attendre trois générations. À la troisième génération, il est caché. Afkan, ami, là aussi, l'achar shalosh dorot. Là, on aurait pu croire qu'après trois générations, la fille, elle devient kshera. Même que c'est vrai que c'est le grand-père était halal, mais à la troisième génération, elle fait kshera. Comme je crois maintenant que même un garçon, d'un autre garçon, sont tous halalim, la fille qui naîtra par la suite deviendra elle aussi halala et demeurera, sera interdite au Kohen. Maintenant, Israël, chez Nassa halala, Israël qui s'est marié avec une halala. On a dit dans la Mishnah que sa fille, elle est kshera. Mais Nahanim, il est d'où on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon, Neymar, quand c'est marqué ici, Velo Yichalel Zaro. Il devra faire attention à ne pas souiller sa descendance. D'accord? Le pasuk, Velo Yichalel Zaro Be'amav. Je précise, voilà, Be'amav. Mais Neymar Le'alan, c'est marqué dans le pasuk, Lo Yitama Ba'al Be'amav. Il n'aura pas droit le Kohen de sanctifier avec les morts dans son peuple. Ma Le'alan Zacharim, comme là-bas, Lo Yitama Ba'al Be'amav, ça part des garçons. Velo nekevot et pas des filles. Afkan, là aussi, Zecharim, velo nekevot. D'Afkan, les garçons ont un problème de halal. Ça veut dire qu'ils transmettent la halalout à leurs enfants, mais pas les nekevot. Et donc, à Israël qui se marie avec une halala, comme la femme halala, elle est halala, ne transmet pas les gènes de halal, le psoul de halal, c'est pour ça que l'enfant il devient kasher. Et il peut se marier avec un Kohen. Et on apprend ça de Tum'a, Tmet, par rapport au Kohen, puisque les psukim sont écrits, Lo Yichalel, Lo Yitama. Donc ils sont écrits plus ou moins proches, pas tout à fait proches, mais plus ou moins proches l'un de l'autre. Plus ou moins. La Gemara continue. Elle dit, Aïla Me'ata, si c'est comme ça, Bito Shel Kohen Gadol, Tishtare. Alors si c'est comme ça, un homme, un Kohen Gadol qui va avec une Almana, l'enfant, il est halal, d'accord? Que la fille, elle doit être kshera. La Gemara dit, miktiv, non? Pourquoi tu me dis que les garçons, je veux bien, mais que les filles, la fille de la relation, elle devrait être kaviyachol ksherot, puisque les mères ne transmettent pas le psoul. La Gemara dit, miktiv, non? Zaroktiv, comment c'est marqué sur le Kohen? Zaro, c'est général. Bat Beno. Ok. Je veux bien, mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire avec Bat Beno? La fils du fille. Tishtere. Elle a qu'à être permise. Ktiv. Loïchalel Zaro. Tu ne purifieras pas ta descendance. Et donc, Makish Zaro Lo. On fait un Ekesh entre sa descendance et lui. Ma Ru Bito Psula. De la même façon que le Kohen Gadol. S'il est avec une almana, la fille elle est psoula. Af, beno, même son fils, parce qu'on a fait une caisse entre le fils et le père, même le fils, s'il a une fille, bito, psoula. Bat, bito, teaser. Et alors, à ce moment-là, t'as qu'à, dans ce même concept-là, puisque tu apprends Midin Zaro, t'as qu'à dire aussi que la fille de la fille elle est psoula. Ah, pourquoi tu m'as dit que les filles ne transmettent pas le psoul? Si tu apprends du fait qu'on compare le fils au père à cause de Zaro, et donc on devrait comparer aussi la fille au père. Et donc comme le père, il est possède, alors la fille devrait être possède elle aussi, sa descendance. La Gemara te dit, « Inken gizara shava mayama anele » Ce qu'on a toujours fait avec la gizara shava, « Lo yitama be'amav et lo yichalel Zaro » Une gizara shava, c'est la chalmo shem Sinai. La gizara shava, on ne l'a que parce qu'on l'a reçu de génération en génération. Par conséquent, à cause de la gizara shava, on est obligé d'exclure les filles. La Gemara continue. Halal shenasa bat Israël bito pesula. Un halal qui s'est marié avec une bat Israël, sa fille, elle est psula. Parce qu'on a dit qu'on va d'après le père. La Gemara demande à Tana le Recha. Je comprends pas, tu l'as déjà enseigné dans la Recha. On a dit que c'était redondant, répétitif. Recha bat halal, zahar psula, mina kuna. Alors là, tu m'as déjà dit ça avant. Réponse de la Gemara. Aïdé de Tana Recha. Après que le Tana il a écrit dans la Recha Israël shenasa halala. L'inverse. D'abord, il a dit bat halal, zahar psula leola. Après, il a dit à Israël, chez Nassa Halala. Alors, Tananam, Israël, c'est avec une Halala. Tananam, il sait pas. Quel est le cas inverse? Halal, chez Nassa, bat Israël. Mais c'est vrai que je pourrais le l'apprendre de la Recha. Mais pour que ça soit plus logique à retenir, puisque ça suit la logique des cas de figure, c'est pour ça qu'il a écrit.
Maintenant, la Gemara dit Matnitin de l'Oker Bidostai. Benouda. Donc, je veux dire que notre Mishnah ne va pas d'après Bidostai. Parce que n'oublions pas, un halal qui se marie avec une bat Israël, la fille, elle est halala, Léolam. D'accord? Et ça va pas d'après Rabbi Dostai ben Yehuda, détaille. Rabbi Dostai ben Yehuda, Omer, Keshem Shebne Israël Mikve, Tahara le Halalot. De la même façon qu'un juif qui se marie avec une Halala, il purifie la descendance, puisqu'on a dit que le Halalot ne passe pas par la mère, passe par le père. Alors qu'un Israël qui se marie avec une Halala, la fille elle est Kshera pour Evré au Kanda. Avnot Israël Mikve, Tahara le Halalim. De même, un Mikve Israël, ça veut dire qu'une bat Israël qui se marie avec un Halal, c'est comme un mikvé pour les chalalim. Mikvé tara les chalalim, c'est-à-dire que ça purifie les chalalim. Maïta amède Rabbi Dusa ben Rabbi Yehuda. D'où il a tiré cet enseignement Rabbi Dusa ben Rabbi Yehuda. Amakra, du pasuk, lo yechalel zaro be'amav. Il ne devra pas impurifier sa descendance dans son peuple. Be'am echad hu de mechalel. Be'am echad, il faut que ça soit de la même catégorie, de la même type de famille, pour qu'il soit mechalel. Bishte amamim. Et non, Mechalel, de deux peuples, comme c'est pas marqué Amamim, lo yechalel zaro be'amamim, et la be'amav, ça veut dire qu'il faut que ça soit les deux du même statut, c'est-à-dire que halal et halala. Alors à ce moment-là, Bémet, il est possède. Mais si c'est un de Kohen et un Israël ou une Kohenet, ou un Israël ou une halala, c'est-à-dire qu'ils sont de deux statuts différents, dans un cas pareil, il est pas. Mechalel, donc un halal qui se marie avec une bat Israël, l'enfant, il est caché d'après Rabbi Dostai. Tanou Rabbanan, Admal continue avec une Mouraïta. Lo yechalel zaro, en il a zaro. Tu devras faire attention à ne pas souiller ta descendance. C'est ta descendance. Hi atzma minay. D'où je sais que elle, la femme avec qui il y a eu le rapport, elle devient aussi à soi. Minay, qu'elle devient aussi à soi. C'est-à-dire qu'elle est, qu'elle est halala. Amarta kalvachomer, on apprend ça d'un kalvachomer. Comment ça? Uma zaro shelo avar avera mitchalel. Si déjà sa descendance qui n'a pas fait d'interdit, c'est-à-dire que l'enfant qui est né, il n'a rien fait le pauvre, mais il est quand même pas soul. Ish avar avera, elle qui a été avec cet homme-là qui lui a interdit. Ish avar enodin se mitchalel, pas plus forte raison qu'elle devient halala. Ça veut dire, je reprends donc que. Par exemple, une groucha, n'importe laquelle, ou un Cohen a eu un rapport avec elle, maritalement parlant, alors elle devient aussi halala, puisque l'enfant qui naîtra, tu seras halal, donc même la mère sera halala. Ou alors, moi, il dit non, pourquoi tu dis ça? Ou à ce moment, la personne qui a fait la vera hein, va te prouver que ce n'est pas obligé d'être comme ça. Pourquoi? Ou à ce moment, Shavar Avera, Ven Mitchalel, que si maintenant un Cohen est parti avec une groucha, alors, pendant qu'il est avec la groucha, il n'a pas le droit de travailler dans le Bétamigdash. Mais dès qu'il divorce de la groucha, il a le droit d'aller avec, de travailler au Bétamigdash. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais été entièrement pas sous. Il a été rien que temporairement mis de côté tant qu'il est Béadéra. Parce que prendre quelqu'un qui est une Avera, travailler dans le Bétamigdash, c'est blasphémer à Kadosh Baruch Hu quelque part. Et donc, Malé Halan, Sheken En Mitchalel Bechol Makom, Tomar Ve'ayish Mitchalel Bechol Makom, il y a Atana. Là-bas, il n'est pas mitralel bechol makom, c'est-à-dire qu'il garde toujours son statut de Kohen quelque part. Tomar bi'ish mitralel bechol makom. Elle peut être mitralelet à n'importe quelle, dans toutes les autres situations possibles. Par conséquent, un Kohen, s'il va avec une zone à gauche, il n'a pas perdu son statut, alors qu'une femme, si elle a été nivelle et la pasoula, automatiquement, elle devient psoula, elle devient interdite. Donc, il ne peut pas apprendre de lui qu'il a perdu son statut de la femme en question. Parce qu'une femme avec qui elle ira, qui lui interdit automatiquement de même soula. Et Yim Nafshecha Lomar, maintenant je vais essayer de la Gemara d'amener un nouvel enseignement. Et Yim Nafshecha, si tu veux me répondre sur le Kalvachomer, que le Kalvachomer que je viens de faire entre elle et l'enfant, que si l'enfant il est halal, que chacun que la mère devient halal, à Makra, c'est pour ça que je dis le pasuk, lo yechalel zaro, n'impurifie pas ta descendance. Lo yechulal, qui veut dire lo yechulal, c'est zeh shaya kasher nitchalel. Lo yechulal, que ne sera pas rendu chulil, ne sera pas rendu blasphémé. C'est-à-dire, celui qui est déjà kasher, deviendra pas pasoul. Or, l'enfant, il n'a jamais été kasher. Alors, qui c'est qui était kasher, qui devient pasoul?
C'est la femme. Bien sûr, cette femme-là, on te dit kvar lo yechalel zaro, lo yechulal zaro, on peut dire. Attends, pourquoi on a dit, ça veut dire quoi? Ve'im nafshecha. J'ai amené un kalvachomer, après je t'amène un pasouk. Toujours quand j'appelle un kalvachomer comme ça, c'est qu'après le kalvachomer, j'aurais pu peut-être le contredire. C'est pour ça que j'ai besoin d'amener un pasouk. Et là, ve'chitema, si tu vas me dire que le kalvachomer, je peux, ikale mifrach, je peux le réfuter. Rappelons-nous le kalvachomer. Hein. Si l'enfant il est pasouk, quand chacun la mère qui l'a amené au monde, il devrait être soudain. Ikale mifrach, chacun les zaro. Je peux au mal zaro que la zaro, chacun yetzirato va'avera. La descendance est différente. Dès qu'il est né, dès qu'il a été conçu, il a été conçu Beissou. Ah, et elle est une chaskat kashrut jusqu'à maintenant. Hein? Même si elle est groucha, elle n'a jamais été psoula, jamais été halala jusqu'à maintenant. La remarquera, c'est pour ça que vient le pasouk, lo yechalel, qui veut dire lo yechulal, shiye, ze shaya kasher, venitralel, que ça sera aussi assur. Maintenant, la Gemara, elle revient sur le dîme d'un Kohen qui a un rapport avec une autre, qui est Mechalel Ota, qui est Mechalel en même temps qu'il n'a pas le droit de travailler dans la Torah. Il faudrait rester dans la voie de la Batalidash, en tant qu'il est avec cette Groucha-là. Maintenant, on veut savoir quels sont les interdits qui sont mis dans la Torah et quels sont les interdits qui sont mis d'Ivrei Sofrim. Ça veut dire que c'est toi écrit explicite a priori, et les livres de Sofrim, c'est que les Chachamim ont compris aussi qu'il faut inclure comme cas. Tanoura banan, Ezoï Chalala. Qu'est-ce que c'est une Chalala qui est psoula à la Kohen? Koshen olad mina psoulim. Tout ce qui est né d'une relation interdite. Maï psoulim, c'est quoi le psoulim qu'on a dit ici? Ilima, c'est psoulim lo. Si tu veux me dire quels psoulim sont interdits. Charé, alors, parce que lui sont interdits. Ça, c'est tous les cas qui sont interdits, donc automatiquement, ils transforment ça en halal, en relation interdite. Alors, et pourtant, Garé, pourtant, Amarzir Grouchato, quelqu'un qui est divorcé de sa femme, s'est marié avec quelqu'un d'autre, et il la reprend par la suite, qu'il n'a pas le droit, Depsoulalo, et lui est interdite. On n'a pas le droit de la reprendre. Si tu es marié avec quelqu'un d'autre, c'est fini, on n'a plus d'avoir, de rien à voir ensemble. Au Mibaneha, et de toute manière, Baneha Ksherim, ses enfants sont Ksherim. C'est-à-dire quelqu'un qui a repris sa femme divorcée, qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre, l'enfant qu'il a, quand même, il est Kesher, dire-t-il, parce que c'est marqué dans Marzik Grouchato, Lo Yuchal Bala Rishon, Asher Shilcha, La Shuv et le Karta. Le premier mari ne pourra pas la reprendre, l'Eisha, après Sheutam'a, après qu'elle a été avec un homme, Kito Eva, le passage c'est To Eva qu'on a ici là. Qui Toeva est Karsin Toeva. Et donc, la femme, c'est une Toeva. Mais les enfants ne sont pas une Toeva. Donc, c'est que les enfants sont cachés. Donc, tu ne peux pas dire que tout ce qui est pas sous l'eau, les enfants sont aussi psoulim, puisqu'on a le cas de Marzeg Rouchato. Et là, Admiralité, Kamarabida, Chikama, non. Ezohi Halala. Qu'est-ce qui s'appelle un Halal? Kol Shenolad, Mina Pasoul, Kuna. Tout celui qui est né. D'une personne qui est psoulak la keuna. Ça veut dire que son père a eu un rapport avec une femme qui lui est interdite et elle est née de là-bas. Et de là vient le dîme de halala. Quand la Gemara demande, Shenolda in, si elle est née, oui. Shenolda, si elle n'est pas née d'une psoul keuna, lo. Ah, et pourtant, Almana, Grusha, Ezona, Almana prend un coin gadol, bien entendu. Grusha, Zona, Delo Nolda, qui n'est pas né d'un pasoul. Ha, veka havie halala. Et pourtant, elle devient halala lorsque le Kohen la rend interdite. Donc, tu ne veux pas dire qu'une halal, c'est dafka, parce que c'est une conséquence, c'est une naissance d'une relation interdite, qui sont interdites au Kohen. Puisque tu vois qu'une relation avec une femme qui était d'un statut normal devient halala par cette relation-là. D'accord? Pourtant, qu'elle, elle n'est pas née Beisso. C'est pour ça que l'Agmara, il va expliquer d'une autre manière, Amarava, Chikama. Comme ça, il faut expliquer la Baïta. Ezo Chalala, quelle est la Chalala Mouskeret qui est mentionnée chez Lohaya la Sha'at Kosher Kla, qu'elle n'a jamais eu un moment qu'elle était permise? Réponse, Kosher Nolda Mina Pasul Keuna, toute fille qui est née d'une relation interdite au Kohen. Maï Mouskeret, que veut dire quoi le mot Mouskeret qui est mentionné? Amarabi Tzrak Barbin, Chikama. Ezo y halala chez Ikara mina Torah. Quelle est la halala qui est explicitée et écrite explicite dans la Torah?
Ven tsarir le faresh, chalala loikahu, que la Gemara dit chalala loikahu, de quel chalam parle, ven tsarir le faresh, qu'on n'a pas besoin d'expliciter quel est chalala, et midi vrai sofrim, et le drachat de chachaïm font la drachat du pasouk, kol shenolda mina pasoule keuna, toute fille qui est née d'une relation interdite. Donc un mouskeret, qui a marqué chalala loikahu, ont expliqué les chachamim, c'est pas qu'il y a mi de rabbanan, mi de rabban, et mi de raita maintenant, hein, ont expliqué les chachamim qu'on parle de celle qui est née du psoulet, qui est une... Maintenant, la Gemara va être dana sur les chiyuvim qui sont, qu'on peut donner sur une femme, quelqu'un qui se marie avec une femme qui lui est pas soule. Combien de punitions elle peut avoir? Tanou rabbanan. Almana. Chia, on comprend. D'abord, on lit parce que l'Agma va développer les cas. On a trois almanotes dans la même personne, trois almanotes différentes, on ne sait pas. En tout cas, almana, une almana et une autre almana. Que, a priori, vient de trois maris, on verra par la suite. Et non, chayav, et là, achat. Si le kohen, il a eu un rapport avec ces trois-là, il n'est chayav, kohen gadol, je parle bien entendu, il n'est chayav qu'un seul malkot. Bien entendu, il faut qu'il y ait une atra au début et qu'il suive cette atra tant qu'il est dans l'avera, dit le roche. Tant qu'il est dans la vera, on se base sur la tra première. De même, Roucha, trois grouchots, donc théoriquement trois grouchots de trois maris, comme la conclusion de la Gemara. Et nous, Chayab et la Achat, on sera Chayab à une seule chose. Almana, Roucha, Bechadela, Bezona. Les trois, quatre figures différentes. Bisman, qu'ils sont absolument à la Kéouna. Hem, Kefi, Asedia, qui sont dans cet ordre-là. D'abord une Almana, après une Roucha, après une Chadela. Après une zona, pourquoi dans cet ordre-là, la Gemara va expliquer par la suite. Chayav al kol achad v'achad. Et chayav malkout 40 coups sur chaque 4 figures. Donc il y a 4 figures, 4 fois 40 coups. 160, c'est pas mal. Bon, des temps différents, vous inquiétez pas. Par contre, achad v'achad. Zinta, si c'est l'inverse. D'abord znout, d'abord un chem de znout, alors il y a un rapport avec quelqu'un qui lui interdit. Nit chalela, deuxième statut. Nit garcha, troisième statut. Nit almana, quatrième statut qu'elle a. Et non, chayav, et là, achat, elle est chayav qu'un seul. Et comment? Comme j'ai dit, l'Agmara va développer la situation. Elle explique comme ça. Amarmar, Almana, et non, chayav, et là, achat, trois almanot, et tu chayav, un seul. Hay almana, cette almana-là, de quel? Echidami, dans quel cas on parle? Ilima, si on parle, cheval, almana de Rouven. Il a d'abord eu un rapport avec l'almana de Rouven. Et de même, almana de Shimon. Et de même, almana de Lévi. Ama, et non, chayav, à quoi l'achat, et achat. Pourquoi tu considères qu'elle n'est pas, elle est interdite qu'un seul, un seul lave, c'est-à-dire qu'elle est interdite sur les trois femmes en question. Pourquoi? Aré, Goufim, Mechulakim, Baré, Shemot, Mechulakim. Les corps sont différents et les noms sont différents. C'est la femme de Rouven, c'est la femme de Shimon, c'est la femme de Lévi. Donc il y a deux choses qui séparent entre les personnes et le corps et leur nom. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il doit dire? Shebal al-Mana Achat. Shalosh biot, il a pris une almana, il a eu trois rapports avec elle. Echidami, dans quel cas on parle? Id elo atroube, s'il n'a pas eu de atra'a avant pshita, on a déjà dit, pour être mitrayev chaque fois malkout, il faut de nouveau avoir une atra'a au milieu, un avertissement. Or, s'il y a eu un seul avertissement, il a fait les trois, alors il va dire qu'il en amène un seul. Et là, de atroube, et là, il faut dire qu'après chaque bia qu'il a eu avec cette almana-là, on l'a averti, tu n'as pas le droit d'être avec elle. De atroube, à kol chadav et chadash sur chaque chose. Et amay eno chayav el achat. Donc pourquoi tu m'as dit qu'elle est chayav qu'un seul? Et attends, on a appris. Nazir, chaya shote yain kol ayom kulo. Un nazir qui buvait du vin pendant toute la journée. Eno chayav el achat. Il est chayav un seul pendant toute la journée, il mange. Amroulom. Avec un avertissement au début, toujours. Amroulom, altishte, dans chaque verre qu'il a pris. Lui, attention, tu n'as pas le droit, attention, tu n'as pas le droit. Veu shote, wa chayav akol achat va achat. Sur chaque verre qu'il a bu, le chal d'amener un korban. Alors tu vois, c'est la même chose chez nous. Alors qu'est-ce que c'est le cas de l'almana, hein? Donc, il m'aurait répondu, lo tzricha, sheba al almanat reuven, il a eu un rapport avec l'almanat reuven, qui était chez Haïta auparavant almanat Shimon, et qui était auparavant almanat Lévi. Ça veut dire que c'est une femme qui était mariée trois fois. Elle s'est mariée d'abord avec Lévi, elle est morte. Elle seule Lévi est mort. Après, il s'est marié avec Shimon et il est mort. Et ça fait déjà un moment qu'Atlalit, hein. Bon. Et après, il s'est marié avec Yehuda et il est mort.
Et monsieur le Cohen a eu un rapport avec elle. Alors, Mahouatema, Mahoudetema, qu'est-ce que tu peux dire? Shemot Mechulakim. Peut-être s'appelle des noms différents, puisque c'est une ancienne almana de Lévi, une ancienne almana de Shimon, une ancienne almana de Yehuda. Kamashmalan Goufin Mechulakim Bainan. On a besoin de corps différents. Comme il n'y a pas de corps différents, comme c'est le même corps, c'est la même personne, c'est pour cela qu'on amène un seul korban, bien que ça vient de trois veuves possibles. Avec trois mariages potentiels qu'il y avait, trois mariages antérieurs qu'il y avait, excusez-moi. Maintenant, la Gemara continue. Almana Grusha Vechalla Zona. On a dit que ça c'est l'ordre pour être chayab sur chacune. Haïtana, ce Tana là pour dire que dans cet ordre-là on est chayab. Maïka Sava, qu'est-ce qu'il pense? Ika Sava Iso Chal Aïl Iso. Un interdit peut s'installer sur un deuxième interdit. Il y a d'abord le premier interdit de Almana. Après, il y a l'interdit de Groucha, ça se rajoute sur l'interdit de Almana. Après, l'interdit de Chalala, ça se rajoute. Après, l'interdit de Zona, ça se rajoute. Donc, Issou, Chalalisho, c'est la Sarah qu'il a, il fera un ami. Même si j'ai pris l'inverse, même si j'ai commencé avec Zona, après ça, avec Chalala, avec Groucha, avec Chalala, ça aurait dû être Chalala et Groucha et Almana, ça aurait dû être la même chose. Ça aurait dû être Hayav, Alkol et Chalalachat. Mais Ika Savar, En Issou, Chalalisho. Et s'il pense que s'il y a déjà un interdit, je ne peux pas ajouter un deuxième interdit de suite. Ça fait l'ou casser les razen à Milan. Même dans cet ordre-là, de d'abord, Almana, Groucha, Chalala et Zona, là-bas non plus, il n'aurait pas dû être rêve sur chacun. Puisque En, Iso, Chalal, Iso, il n'y a pas d'interdiction à l'interdit. Amarava, Haitana, ce Tana-là, il pense en vérité, Iso, Chalal, Iso. L'itla, il n'a pas le problème de Iso, Chalal, Iso. Mais, Iso, Mosif, Itle. Ça veut dire, des interdits égales, ils ne se rajoutent pas. Mais, il n'y en a pas. Mais si c'est un interdit plus grave, il souffre. Il souffre, Mossif. Il y a un interdit qui est plus grave, là, ça peut se rajouter sur l'interdit antérieur, Hitler. Donc, Almana est commencé à l'interdit supérieur, d'où on voit cette notion-là d'interdit supérieur. Exemple. Almana assura la Kohen. Une Almana interdira que le Kohen. Ça, c'est le premier statut. Elle est permise au un Kohen normal. Pécharia le Kohen idiot. D'un vélé, Groucha. Après, il devient une Groucha. Donc, on a rajouté un interdit qui est plus grand. Parce qu'il inclut aussi un Kohen normal. Omigo dit tout ça, fla. Il sourra le Kohen idiot. Du fait que se le rajouter maintenant, le digne de. Issour pour un Kohen Edirot, ça veut dire qu'elle a été divorcée du Kohen Gadol, par exemple. Donc, elle a reçu le Issour de Groucha, que là, c'est interdit même à un Kohen normal. Itosaf la Issoura. Les Gabé Kohen Gadol, si maintenant de nouveau un Kohen Gadol, il se marie avec elle, il a lui aussi un deuxième Issour. Et Almana, et en même temps Groucha. Vadaïn, Sharia, et Michal Bitrouma. Non, mais il était ce statut de cette femme-là qui divorce. Elle a encore le droit de manger de la Trouma. C'est-à-dire que, par exemple, une Bat Israël, une Bat Kohen. C'est marié avec un Israël, elle ne peut plus manger de la trauma. Mais si son mari il est mort et elle n'a pas d'enfant, elle peut, en tant qu'Almana ou Groucha, prend pas du Issour pour l'instant, donc Almana ou Groucha, elle peut manger de la trauma. Mais à partir du moment où elle a un rapport avec quelqu'un qui lui est interdit, on a dit qu'elle devient Chalala. Et dès qu'elle devient Chalala, elle devient Asura de manger de la trauma. Donc Chalal, c'est un interdit supplémentaire. On y dit tout ça, Issour le Mechal Bitrouma. Et comme on lui a rajouté l'interdit de Trouma, si maintenant un Kohen Gadol a un rapport avec cette femme-là qui est et Almana et Groucha et maintenant Chalala, donc automatiquement il est Chayab, Itosaf Issour le Gabé Kohen Gadol. Et la Zona, Ma Issour Moussif. Attends, c'est très bien beau, mais Zona, qu'est-ce que tu m'as rajouté de plus? Parce que normalement, ça y est, elle est Chalala, elle est le maximum. Puisqu'elle a eu le rapport interdit. Une Zona, normalement, c'est une relation de rapport interdit. Réponse, Idbe. Parce que là, le Shem Znout arrive même si c'est un Israël qui a un rapport avec un Israël qui a un rapport avec une femme qui lui est interdite, il la transforme en Zona. Comme dans le statut d'Israël, il y a quelqu'un d'extérieur qui peut aussi être possède ou pas, c'est pour ça que c'est considéré comme un interdit en plus. Jusqu'à là, d'expliquer pourquoi Dafka, dans cet ordre-là, il n'est pas sourd. Dans l'ordre inverse, il n'est pas sourd. Tane, Tana, Kame, de Rav Sheshet. Rav Sheshet, c'est un gars qui est aveugle, mais il connaissait les Mishnayot, les Baïtot, par cœur.
Il y a quelqu'un qui lui a récité par cœur une braïta devant lui et qui dit la chose suivante. Kol sheu beikach, re bu belo ikach. Si on est dans une situation de ikach, c'est-à-dire qui ikach, ou isha betulia ikach, ça c'est le pasuk. Donc le Kohen Gadol d'apprendre la Kohen Betulia. Mais il y a le verset ikach. Alors, et le pasuk qui est écrit après, d'après Rashi, qui se suit, Almana Boucha de Chalala, elle est lo ikach. Donc ça veut dire que le issur de Chalala ou le issur d'interdit vient quand il y a le ikach avant. S'il y a une possibilité de prendre avant, il y a une possibilité d'être ouvert à le issur. C'est-à-dire, kol sheu beikach, toute situation que lorsqu'elle est betula, qui peut la prendre, comme un Kohen Gadol par exemple, qui peut se marier avec elle, un Réou Belo Ikar. À ce moment-là, il n'a pas le droit de la prendre quand elle est almana, quand elle devient almana, aval. Mais, Kolche No Beikar, mais si elle est dans une situation où il ne peut pas la prendre, même quand elle est Betula, il n'a pas le Issour de almana. Ça veut dire que le Kohen Gadol, le Issour de almana, pour qu'il puisse être sur la femme en question, doit exister si au préalable, il aurait pu la prendre si elle n'était pas almana. Mais si, avant qu'il soit almana, il n'aurait pas pu la prendre pour une autre raison, maintenant cette femme-là, qui n'a pas le droit de la prendre, est devenue aussi almana, si le Kohen Gadol a un rapport avec elle, il transgresse l'interdit qu'elle lui a interdit au départ, mais il n'est pas transgresse l'interdit de almana. Et non, mais sur le Ricard. Prat, le Kohen Gadol, Sheba Alachoto Almana, comme par exemple le cas de Kohen Gadol, qui a un rapport avec sa sœur, qui est almana. Donc il est chayav sur carré de sa sœur, mais il n'est pas chayav sur almana. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà interdite avant. Amarle, ça c'est, comment il a expliqué la Mishnah? Amarle, d'Amarle Chamane. Qu'est-ce qu'il a dit cette Mishnah-là? D'où, au nom de qui tu l'as appris? Cette braïta, excusez-moi. Il a répondu, Rabbi Shimoni, ça va d'après Rabbi Shimon. Que ça va d'après la Shita de Rabbi Shimon. Que d'Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? En Isu, chal al Isu. Pour Rabbi Shimon, il n'y a pas un interdit qui râle sur un interdit. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Shimon Omer, a ochel nevela beyom akipur, une pato, mi karet. Quelqu'un qui mange une nevela, quelque chose de karet, à yom kippur, il est partout de karet. Pourquoi il est partout de karet? Parce que l'interdit de nevela existe avant l'interdit de yom kippur. Donc quand on dit yom kippur, j'ai déjà l'interdit de nevela sur la personne. Donc quelqu'un qui mange un interdit de nevela à yom kippur d'après Rabbi Shimon, il est pas chayav karet à cause de. Non, il n'est pas chayav karet à cause de Nevela. Alors, c'est la même chose ici. Celle qui est achoto almana, comme achoto l'interdit, il est avant l'almana, donc il n'y a pas issou halal issou, donc je ne peux pas être aussi assour de almana. C'est irabanan, parce qu'on se donne après rabanan, après issou halal issou. Pour eux, achel nevela yom kippour, t'es chayav karet, t'es chayav sur la nevela malkot que tu as mangé. La gmarel docha les paroles de Rachel dit non. Afil ou Tema Rabbanan. Si tu veux, je peux t'expliquer ça va aussi d'après Rabbanan. Qui aimerait Rabbanan, Issour, Halal, Issour. Quand est-ce qu'ils ont dit qu'un interdit peut se rajouter chez un deuxième interdit, Hanemele, Bissour, Hamour, Issour, Kal. Quand j'ai un interdit grave qui se rajoute à un interdit facile, comme par exemple, il y a le Issour, Kal qui est Malkot de Nevela, de quelque chose qui n'est pas cachère, il y a le Issour, Hamour de Karet, du Yom Kippour, qui s'installe dessus. Avec Issour, Kal, Issour, Hamour. Mais le cas de l'almana et de l'achoto et de la sœur, quelqu'un, il a un Kohen Gadol qui prend sa sœur almana, la sœur almana, la sœur, le chiyuv il est carré, l'almana il est cal. Donc on veut rajouter l'almana à Issour cal sur un Issour chamour. Aval, Issour cal à Issour chamour, ça ne s'accroche pas, ça ne marche pas dessus. La Gemara veut proposer encore une autre explication. Ika de Amre, il y en a qui disent comme ça, Hamane, Rabbanani. Tu sais quoi? Comme qui va la Mishnah, cette Mishnah-là comme Rabbanan. Des Amoraïs qu'ils ont dit, Issour, Halal, Issour. Que pour eux, malgré tout, un interdit, ils ne sont pas sur un autre interdit. Des Amoraïs, Rabbanan. Et dans quel cas ils ont dit Rabbanan, Issour, Halal, Issour? Hanemile, dans quel cas? Issour, Hamour, Issour, Kal. Parce que j'ajoute un interdit plus grave, c'est un interdit plus cool. Comme on a dit, Yom Kippour sur Nevela. Aval, Issour, Kal, Issour, Hamour. Mais lorsque je veux ramener Almana sur Achoto, sur la sœur, Lochaïle, ce n'est pas Chal. Maintenant, et c'est pas chal, et c'est pour ça que la Mishnah parlait d'après Rabbanan. Parce que dire Rabbi Shimon, voilà le changement ici. Parce que si tu voulais dire que ça va d'après Rabbi Shimon, j'aurais pu dire, Ashta, si déjà, Issour Hamour de Yom Kippour, Al Issour Kal sur le problème de Nevela, l'Ochal, ça ne tient pas, hein? Kippour, sur Nevela, ça marche pas, Issour Kal de Almana,
Aliso, Hamo, est-ce que Bichlal, j'ai une avamina que ça peut tenir mi baillé? Est-ce que c'est possible? La Gemara, elle réfute la preuve qu'elle a voulu prouver que ça va d'après Rabbanan et pas d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Maoudetema, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Issur Keuna Shani. Non, l'Issur Keuna, c'est différent. Donc, l'Issur Keuna, c'est différent. L'Issur Keuna, c'est différent. Parce que comme il y a des lois miyuchadot pour les Kohanim, alors j'aurais pu croire que même là-bas, l'Issur Halal Issur. C'est-à-dire tout le problème par rapport à Bishimon, qu'est-ce que je fais avec le Pasuk? N'oublions pas qu'il avait, il avait appris du Pasuk du Hekesh Loïkar. Iki ikar, et isha vipturlea ikar, et isha almana gusha b'chala vezona, elle est lo ikar. L'exposition des deux psukim. Pour Rabbi Shimon, j'aurais pas eu besoin de l'exposition des deux psukim pour m'apprendre qu'il n'y a pas le chiyuv de almana sur achoto. Mais maintenant que j'aurais pu croire que les kohanim c'est des statuts spéciaux, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk. Maintenant, la Gemara veut essayer de comprendre de quel issur bia, quel issur rapport qui la transforme en chalala. Amar le rapapa le abaye. Papa il a dit à abaye, Israël abba la choto, zona machel. Un Israël qui va avec sa sœur, malheureusement, il la rend zona, pas chalala, zona, d'accord? Et chalala machvela, est-ce qu'il est aussi, il la rend aussi chalala, donc il lui donne deux statuts, olo machvela, ou non, non. Il l'a rendu zona, mais il l'a rendu pas chalala. Rappelez, zona, ce n'est pas une prostituée, zona, c'est avoir un rapport avec une personne qui lui est interdite, minatora. Olam Hashvela, ou non, il a rend zona, mais il la rend pas halala. Maintenant, mi abrina, il explique. Est-ce qu'on dit Kalva Chomer, mi chayave lavin. Enfin, Kalva Chomer de chayave lavin, oui, que Havie nasid ave halala, mi chayave kritut lo kochek. Ainsi, déjà, d'un chayuv lav, que Almana Goucha, qui a un rapport avec un Kohen, elle devient halala. Que là, c'est un qui a un sur lav. Quand il y a un sur karet, qu'un homme y va avec sa sœur, local chicken, pas à plus forte raison qu'on va considérer que non, elle devient halala, ou dilma ou peut-être, chen halala et la miso keuna. Non. Rendre halal, c'est rien qu'un Kohen qui peut rendre halal. Un Israël ne peut pas rendre halal. Donc un Israël qui a un rapport avec une personne qui lui est interdite, la rend zona, mais ne peut pas la rendre halala. Parce que halal, c'est rien qu'un Kohen qui peut le rendre. Comme dans le cas de Groucha, comme le dit de Almana et Groucha. Que lorsque le Kohen a un rapport avec une almana et un Kohen avec une Groucha, il la rend aussi halala. Après, il lui a répondu, Ein isur halala, et la isur me keuna, bilvad. Il a répondu qu'effectivement, le isur n'est que isur de keuna, bilvad. Amarava, mena hay milta, d'amour abanan, en halala et la isur keuna. Et d'où on apprend ce dîle-là, que l'isur halala ne vient que de isur keuna, que lorsqu'un Kohen, uniquement qu'un Kohen peut le rendre, et Tanya, comme c'est marqué, Loyomar Groucha Bekohen, Gadol, Metite Mekal Vachomer. J'avais qu'à ne pas écrire Din de Groucha dans le Din de Kohen Gadol, parce que dans le Kohen Gadol, il a marqué Almana Groucha, Almana Groucha Bechalala Vezona, et elle est Loïkar. Les cas de Groucha, de Zona et de Chalala, ça on aurait pu l'apprendre d'un Kohen normal. Et là, Titi Bekal Vachomer, mi Kohen Idiot. Vana, mina, et j'aurais dit, je calme Vachomer, d'un Kohen Idiot. Attends, mana, achta, le Kohen Idiot. Asura, le Kohen Gadol m'y va. Ici, déjà, un Kohen Gadol, je lui ai interdit d'un Kohen Gadol, un Kohen Gadol, j'ai besoin d'écrire. Et là, l'Ama Nehemra. Alors, pourquoi il a marqué le mot le din de Almana, le din de Halala, ou de Groucha? Pourquoi c'est marqué l'Ama Nehemra, Shechaluka, Groucha, Mizona. De la même façon que est différente la Groucha d'une Zona, parce que la Groucha, c'est un Isur Bifnei Atzmo, une Zona, c'est un Isur Bifnei Atzmo. De la même façon qu'une zona, une groucha, une chalala sont différents pour un kohen idiot, là aussi, c'est la même chose pour un kohen gadol qui sont des interdits. Et donc, s'ils sont des interdits différents, ça veut dire qu'ils peuvent recevoir ma coûte sur chacun des cas de figure. Pshita, quel est le chidouche? C'est vrai que le kohen gadol il va être bloqué sur groucha bifinatsma. Un Groucha. Et pourquoi avec qui migra garé? Est-ce que la Kdoucha du Kohen Gadol, elle est moins grande que la Kdoucha du Kohen normal? Et là, il faut dire comme ça. Que Shem Shechaloka Groucha Mizona Vechalala Bekohen Idiot, de la même façon qu'on est loqué sur chaque chose en Kohen Idiot, car aussi Almana,
Elle est chalouka, mais grusha, mais chalala, mais zona, mais kohen gadol. Qu'une almana, on peut être loqué aussi, bifne atzmo. Et donc, on est chayab sur chaque chose, bifne atzmo. Maintenant, la Gemara, elle explique. Chalala, lama, nemra. On a expliqué pourquoi il y a marqué grusha. Maintenant, pourquoi il y a marqué aussi chalala. C'est la chaîne, chalala, et là, miso keuna. Ah, pour nous apprendre que chalala, c'est d'arka miso keuna. Tu m'as demandé d'où on apprend que chalala, c'est miso keuna, c'est parce que le mot chalala, il est en plus, parce que ça, j'aurais pu faire qu'elle va chomer pour le coin de gadol. C'est déjà dans un coin idiot, chalala lui interdit, t'as plus forte raison dans le coin de gadol. Dans Groucha, ça vient de nous apprendre qu'on est chayab sur chaque chose. Et que même dans l'almana, on est chayab bifnasmo. Mais maintenant, le chalala qui a marqué dans le coin de gadol, à quoi il sert? Pour nous apprendre qu'un chalala est la miso keuna. Et Zona, alors, bon, Zona, pour quand même marquer aussi dans Kohen Gadol Zona. La main est noire. Neymar Kan Zona. Il a marqué dans le cas de Kohen Gadol Zona. Mais Neymar Léala, dans Kohen Gadol Zona. Makan Zaro Nasachol. Et là-bas, de la même façon que là, sa descendance devient Chol, ça veut dire qu'il perd le statut de Kohen, parce qu'il a marqué le Khaled Zaro. Avlala, main dans un Kohen Idiot. Il faut dire le Khaled Zaro, ça veut dire qu'un Kohen Idiot qui va avec une Zona, son enfant n'est plus Kohen. Après qu'on a dit que En Khalala est la Miso Keuna, la Gemara nous apprend un dit en plus. Amar Ravashi, il casse pour cela. Kohen Abba Alachoto, le Kohen qui a un rapport avec sa sœur, Zona Mashvela. Il la transforme en dîne de Zona. Mechalala, lo Mashvela, il la transforme pas en Khalala. Parce que c'est une Béa, Asura Midin Achoto, et pas Midin Iso Keuna. L'interdiction de ta sœur. C'est pas Midin Iso Keuna, c'est pas Midin Grusha, Zona, Khalala. Nasi Midin Achoto. Donc tu la transformes en Zona, mais tu la transformes en Khalala, Khalala. Khazar ou Baaleha, si maintenant, après qu'il a transformé Zona, il a un rapport avec elle, ah ça, Khalala. Là maintenant, c'est un rapport de Zona, avec une Zona, c'est une qui a Sora, Midin, Sora, Keuna, alors il donnera automatiquement le statut de Khalala. Et là, on est arrivé à la deuxième ligne de la Mara, de la Dudaf à Imfe. Merci et à bientôt.